pourrait vous parler de son état de somnolence. Quand elle va se reposer, ça ressemble à ça beaucoup. Non, les comme les dauphins, ils ne dorment pas? Oui, ils dorment, mais ils se reposent plus que dormir. D'accord. Je vous l'explique après. Observez-le. Firma dall'ultimo respiro. Hop, la queue! La coda! Wow. Oh, c'est beau! Le profil! Magnifique! C'est bien ça! On avait deux phases! C'est une semaine de travailler les photos du match! Musique! Parce qu'en fait, vous avez remarqué tout à l'heure quand elle restait comme ça? Ça, on appelle ça du biotage. Quand les baleines à bosse vont se reposer, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent comme ça, à la surface de l'eau, ils font que sortir la tête pour prendre leur respiration. Puis de la méthode qu'ils vont dormir, leur cerveau est séparé en deux parties, côté gauche, côté droit. Quand il y a un côté qui se repose, l'autre côté, il est réveillé. C'est pour lui faire penser de prendre ses respirations à la surface. Et aussi, le côté qui est réveillé, c'est pour garder une certaine motricité. S'il arrive un bateau près d'elle ou quoi, qu'elle puisse l'éviter. C'est une hypothèse, mais il y a certaines baleines qui s'est confirmé. Il y en a qui dorment avec l'œil qui est fermé du côté qui se repose et l'autre œil est ouvert. Il y en a qui, c'est les deux yeux sont ouverts.